InfoPlus hier soir. Un énorme spectacle rock a débarqué à Montréal, au Centre Bell. C'est bien sûr le spectacle de Marilyn Manson et Slayer. J'y étais pour essayer de voir qui a donné le meilleur show rock. Moi, je dirais plus Marilyn Manson parce que, tu sais, juste à lui, c'est un phénomène. Manson est le meilleur, c'est ouais. Manson. Manson, il fait plus le show, Slayer, que Manson, par exemple, c'est Manson n'aurait pas lu plus. Mais Manson était le top, pareil. Le top des tops. Non, reste Marilyn Manson. Okay. Tu peux pas te surpasser, Manson. Marilyn Manson, c'est le meilleur. Mais quand même, ça fait 25 ans que Slayer sont là. Ils ont quand même donné un bon spectacle. Mon trip de Slayer est fini. Mais. Slayer, là, ils ont été vraiment plus... Le crowd était plus pour Slayer, mais personnellement, j'aime mieux le son et la musique de Marilyn Manson. Marilyn Manson. Ça fait quand même plus de 25 ans que Slayer existe. Est-ce qu'ils ont quand même donné un bon spectacle? Un méchant bon show. Ouais. C'est bon, c'est bon. It's a ride, yeah! Répondu pour moi. Ah ouais, c'est l'air de la main. Slayer. C'est bon quand t'es proche. Manson. Manson, pas assez de visuel, mais ça attendait à plus de visuel. Okay. Musicalement. Slayer, Manson sucks. Est-ce qu'il y a vraiment une lutte entre les fans de Slayer et Marilyn Manson? J'ai cru sentir une certaine tension. Il y a de l'air d'en avoir une. Le monde, il a l'air de se gueuler. Slayer, Marilyn Manson, Slayer. Il y a l'air d'avoir une petite guerre, le fun. For Manson or Slayer? For both. They were both incredible.